Avez-vous déjà essayé le monde fascinant et effrayant de Subnautica? Subnautica est un jeu de survie développé par Unknown World Entertainment. Il raconte l'histoire, parce que oui, il y en a une, d'un vaisseau appelé l'Aurora, appartenant à une société du nom d'Altera, qui explose et se crache sur une planète océanique extraterrestre. Un des seuls survivants, Riley Robinson, doit essayer de survivre dans ce milieu beau et hostile, de comprendre pourquoi le vaisseau s'est écrasé, les mystères que regorge la planète, et bien évidemment, De trouver un moyen de rentrer chez lui quand même. Après avoir éteint la capsule en feu avec un extincteur du futur, et équipé d'une combinaison de plongée, l'objectif est d'explorer les fonds marins, à la recherche de ressources et de nourriture, et aussi de réparer le transmetteur radio pour attendre une arrivée éventuelle des secours. Peut-être. Ouais, le vaisseau s'est bien écrasé là quand même. Comme vous l'avez compris, le monde de Subnautica est peuplé de créatures extraterrestres aquatiques. Certaines peuvent être passives, comme les petits Peepers, avec son grenadier trop mignon, les pochons, et pas polochons, qui servent aussi à créer des bouteilles d'eau, un poisson escargot qui ressemble à Gary de Bob l'éponge, et un poisson boomerang. D'accord. Et bien sûr, des créatures carnivores et agressives, comme les rôdeurs, qui adorent au passage voler des objets, des anguilles électriques, et même des... Ils sont trop chiants eux. Pour explorer ces lieux, on aura besoin d'équipements adéquats à fabriquer, comme un scanner, qui sert à analyser les créatures et les objets, un outil de réparation, un découpeur laser pour ouvrir des portes, un constructeur d'habitat pour construire sa base, et plein d'autres objets, etc, etc. Pour construire tous ces trucs là, il faut bien évidemment des ressources, qui se trouvent un peu partout dans la faune et la flore. Certains sont faciles à dénicher, et d'autres beaucoup plus rares, et qui se trouvent dans les zones cachées ou enfouies de l'océan. Pour nous aider, on a une tablette équipée d'une IA, appelée PDA, et qui nous sert à voir notre inventaire, les bases de données, ou les plans de conception des outils ou autres objets. Les graphismes sous l'eau sont absolument magnifiques! Les effets de lumière qui reflètent sur le sable, les algues qui bougent, les différentes grottes à explorer qui peuvent être remplies de couleurs fluorescentes. Waouh! Les créatures magiques et fascinantes qui peuplent ces lieux, et... Mais il m'a pété dessus, lui! Mais aussi les lieux inquiétants et sombres. Si on commence à s'éloigner de la capsule. Si vous êtes à la sofa, vous êtes clairement mal barré. Dès qu'on commence à s'enfoncer dans les profondeurs inconnues, ou même qu'il commence à faire nuit, tout devient plus flippant. Et on se demande ce qu'il y a comme créature autour de nous. Ou du moins, on veut pas savoir. Évidemment, les bruitages aident beaucoup à l'immersion. Même un peu trop. Chaque biome est différent, et on peut passer par exemple par les bancs calmes entourés de corail, la forêt des algues remplie de rôdeurs voleurs qui font un peu peur, mais pas de panique parce que j'ai scanné ta sœur avec mon scanner, la cité des champignacs, des volcans, et... Vous pouvez répéter ? On va pas aller par là. Oh, c'est criqué, je vais me noyer. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, putain! Comme je disais, on va pas aller par là. Et aussi, il y avait d'autres endroits comme des îles à la surface de l'océan qui sont cachées quelque part. Et carrément le gros vaisseau géant lui-même. Le jeu est accompagné de différents objectifs, qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure, et qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Ah non, c'est une baleine! Ah, c'est une baleine alien! Une baleine! Grâce au scanner, on peut analyser les créatures à proximité, ainsi que des morceaux d'objets qui étaient dans l'Aurora, pour pouvoir débloquer... Pas une baleine, ça. Je crois qu'il y a encore un autre truc qui rôde.
va nous falloir un plus gros scanner. Les débris d'objets permettent de débloquer de nouveaux plans de conception, pour pouvoir fabriquer au passage des outils et des véhicules. Pour notre aventure, on a le droit d'avoir un Seaglide, une petite machine qui permet de nous déplacer rapidement dans presque n'importe quel environnement. Un Seamoth, qui est un mini submersible et qui permet de se déplacer encore plus vite, d'avoir de l'oxygène et d'être en sécurité à l'intérieur. Un robot méca du Turfu, qui est putain de trop cool et qui a un grappin et permet de faire de l'extraction minière. Et mesdames et messieurs, voici l'un des meilleurs véhicules du jeu, et surtout le plus impressionnant qui va vous laisser sur le cul, le Cyclope. What? Regardez la taille du bordel, et l'intérieur de l'engin aussi. Je peux contrôler le moteur, la vitesse de pointe, l'éclairage, et on a même un sonar. Je peux même mettre des véhicules à l'intérieur. Ce qui m'a impressionné aussi, ce sont les musiques, qui nous accompagnent tout le long de notre épopée. Composées par Simon Chilinski, elles sont électroniques, et représentent bien le côté un peu light de la technologie futuriste du jeu, ainsi que la nature ambiante de la faune et la flore extraterrestre qui nous entoure. Par contre, quand on se fait attaquer, bah alors là le mec il s'est lâché. Ça par exemple, c'est la musique de quand le sous-marin se fait attaquer et se prend des dégâts. Putain, on s'est jamais autant ambiancé que quand un truc est en train de couler. Grâce au constructeur d'habitat, on peut placer différents bâtiments. On peut aménager l'intérieur avec différents appareils, pour recharger des batteries, créer des cultures, ou un appareil de filtrage à eau. Attention quand même à comment vous construisez votre habitat, car à cause de la pression de l'eau, il faudra sûrement construire des consolidations. C'est quoi ce bordel? C'était Subnautica, un jeu de survie et d'aventure qui permet de simuler à quoi ressemble la vie d'un plongeur vivant en Australie, et de découvrir l'histoire, qui est plutôt cool, de ce qui est arrivé à l'équipage de l'Aurora et de la planète extraterrestre 4546B. Une suite existe, et qui se passe 2 ans après les événements du jeu appelé Subnautica Below Zero. Si vous n'y avez jamais joué, serez-vous assez courageux pour explorer les fonds marins? En tout cas, ce que dit Sébastien dans La Petite Sirène, c'est un mensonge. Mais fesse, ouais, c'est pas mieux sur l'océan, hein. Et vous, avez-vous déjà essayé Subnautica? Bon, au moins on peut avoir des petits animaux de compagnie qu'on récupère dans des œufs. Ah, il est cool!